Et bonjour à toutes et à tous, c'est Docteur Zone Axel. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la septième partie de cette rétrospective Ninjago où on va critiquer la saison 6, Skybound. Alors, cette saison 6, elle est super géniale. Elle est super. Elle est mieux que la saison 5, je trouve même. Elle est encore meilleure que la 4. Franchement, la 6, elle est très bonne. Franchement, je kiffe cette saison. Dans mon classement Ninjago, moi, perso, je le mettrais en 3ème position dans mon top. Donc, vraiment, cette saison 6, elle est trop bien. Nadakan, comme méchant, il est original, je trouve. Il est beaucoup plus original que Moro. Parce que son plan, c'est pas lui, c'est pas juste détruire le monde, donc c'est beaucoup plus original que Moro. Aussi, c'est intéressant, il y a de l'enjeu avec les ninjas qui sont emprisonnés dans la Jin Blade, et c'est très intéressant. Donc vraiment, cette saison, je l'ai beaucoup appréciée. Elle est super. J'ai vraiment surkiffé cette saison. Et puis j'ai beaucoup aimé le thème de la course poursuite. Et puis, quand même, le final, il est quand même très cool avec Nadakan. Avec Nadakan qui a détruit l'immunité. Voilà, c'était Dr. Ton Axel. À la prochaine. Et regardez Ninjago sur votre fan de Lego. C'est mon petit message de fin maintenant. Dans cette rétrospective. C'était Dr. Ton Axel. À la prochaine. Et pour de vrai cette fois. The fate of Ninjago rests in the hands of one ninja.